nous voici en 1518 à Strasbourg. Et que se passe-t-il cette année-là, dans la bonne ville de Strasbourg, je vous le demande, une épidémie incroyable, du jamais vu. Des centaines de personnes, bientôt des milliers, sont prises de frénésie et se mettent à danser dans les rues de la ville, à danser jusqu'à en mourir. Quand Gentelet s'empare du sujet, avec ce style bien à lui, qui est fait de gouailles et de fantaisie, ça donne Technoparade à la Renaissance, mais ça s'appelle Entrer dans la danse, et ça sort aujourd'hui en librairie, aux éditions Julliard. Où avez-vous été chercher, Gentelet, une histoire pareille? C'est pas vrai, ça s'est pas vraiment passé, ça. Et si. Et comment ça, ici? Et c'est arrivé par hasard, comme toutes mes idées de livres. C'était il y a 2 ans, j'allais à la foire du livre de Brive et je prenais un train qu'on appelle le train du cholestérol. C'est le train où il y a tous les écrivains qui se retrouvent là. Et c'est super loin, Brive, qui a plus de 4 heures en train. Jacques Weber a envie de devenir écrivain, plus comédien, vous voyez. J'aime bien cette ligne. On arrive à 9 heures dans le train. À 9h30, on commence à nous servir des petits apéritifs à l'alcool de noix, machin comme ça. Et après arrivent les foie gras, tout ça. À 11h30, tout le monde est à la vieille prune de Souillac et tous les écrivains sont un peu torchés. Et là, je vois un jeune homme qui s'amène, que vous connaissez, qui s'appelle Julien Bisson, qui était rédacteur en chef de Lire, qui me regarde avec des yeux brillants, qui me dit « Jean, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'épidémie de danse à Strasbourg en 1518 ?» Je le regarde, je me dis « Donc c'est lui le mec le plus bourré du train. » Et il me dit « J'ai entendu 2-3 mots à la radio. » Je me suis tout de suite dit « C'est un livre pour Jean. Voilà. » Le soir même, je tape quand même ça parce que ça m'avait trotté dans la tête. J'écris sur Internet Strasbourg, danse 1518. Et je tombe sur une chronique alsacienne de l'époque qui disait « Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est répandue dans Strasbourg. De telle sorte que dans leur folie, beaucoup se mirent à danser et ne cessèrent jour et nuit pendant 2 mois jusqu'à tomber inconscients. Beaucoup sont morts. » Et là, je me dis « Putain, c'est vrai !» Et j'ai tout de suite commencé à faire des recherches et j'ai découvert une histoire mais absolument hallucinante, inconnue en France, et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une histoire vraiment dingue, qui n'est jamais arrivée avant, qui n'est plus jamais arrivée après. Alors, c'est le point de départ. Ensuite, on imagine les recherches. On imagine aussi que vous prenez quelques libertés avec l'histoire officielle. C'est un roman, mais au plus près de la réalité. Et tous les noms propres, le nom de l'évêque, Guillaume de Hohenstein, le maire, Andreas Dragenfels, les noms des médecins, tout ça est vrai. Et les choses se sont passées dans l'ordre comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Comment ça commence? Que se passe-t-il? Strasbourg, qui n'était pas en France, qui faisait partie du Saint-Empire romain germanique, était une république à l'intérieur des remparts. Et c'était une ville qui était prospère jusqu'en 1518, où il aurait tout tombé sur la gueule. Des catastrophes météorologiques, le Rhin qui déborde comme jamais, qui menace les fondations de Strasbourg, des naissances de Siamois en pagaille dans la ville, personne ne comprenait pourquoi, une météorite qui leur tombe au sud de la ville, au ras de la gueule. Ils disaient, si même les histoires se mettent à nous chier dessus, les étoiles se mettent à nous chier dessus, ils sont attrapés toutes les maladies, la lèpre, le choléra, la peste, la syphilis est arrivée en mai. En juin est arrivée une nouvelle maladie qui était arrivée 2-3 fois avant et qui n'est plus jamais revenue après, un truc qui s'appelle la suette anglaise. Vous chopez ça, 2 jours après, vous êtes mort. Les gens en étaient en état de désespoir total. Les femmes, quand elles avaient fini d'allaiter, allaient sur un pont, le pont ou un corbeau, jetaient leur enfant à la rivière. Ça, c'est la scène d'ouverture. Voilà. Ouais. À l'atelier. C'est-à-dire qu'on commence par faire rire et ensuite, baf, on vous met une gifle. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais, ouais, voilà. C'est exactement le ton, ce que vous cherchez à trouver. C'est une caresse, un coup de latte, voilà. Et les gens. J'aimerais qu'on on s'arrête juste là-dessus. On est à une période où le désespoir. Voilà. Vous dites aussi clairement le désespoir, ça s'appelle l'Église. Oui, alors ça. C'est-à-dire l'Église qui, à l'époque, le accable de dettes. Abusé, a été, mais immonde. Et c'était au moment où on construisait la basilique Saint-Pierre de Rome. Et le pape Léon X, un Médicis, avait eu une idée pas conne et a dit « Ah, il y a Dieu qui m'a parlé ». Il m'a promis que tous ceux qui donneraient de l'argent pour construire la basilique Saint-Pierre de Rome auront des réductions de temps de purgatoire ou d'enfer. Et donc, il fallait payer pour racheter ses péchés. Et les gens qui étaient dans une misère absolument totale, vu qu'ils en étaient même à bouffer leurs gosses,
le clergé les menaçait de les faire enterrer en dehors des remparts, sur un endroit qu'on appelait la colline du Bourreau, qui était le seul territoire de Strasbourg qui était non béni, et donc c'était l'enfer pour total. En plus, tout ça est parfaitement authentique. Tout ça est vrai. Et quelques mois avant, parce que là on est en juillet 1518, et fin octobre 1517, un moine, Luther, arrive en disant « Ah, j'ai une nouvelle religion ». Donc les gens ne comprenaient plus rien à rien. Et là, le 12 juillet 1518, vers midi, c'était un vendredi, une femme dans la rue, Enline Trofea, on connaît son nom, a commencé à danser. Sauf que sa danse est devenue contagieuse. Tous ceux qui étaient dans des situations catastrophiques comme elle se sont approchés et se sont mis à danser. Rue du jeu des enfants, une rue qui existe tout le temps, quel nom de rue. Et la danse s'est propagée dans toute la ville. D'abord, c'était des dizaines, des centaines, des milliers. Le maire de la ville... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel qui nous arrive ? Dans la mairie, il convoque son grand conseil avec l'évêque et les médecins en disant « Mais ce qui nous arrive là, c'est naturel ou c'est surnaturel ?» Alors évidemment, l'évêque, il dit « C'est surnaturel, c'est une punition divine, c'est parce que les gens n'achètent pas assez d'indulgence et tout. » Les médecins disent « Non, c'est naturel, on n'a jamais vu cette maladie, on a lu Hippocrate et tout. » Jamais entendu parler de ça, mais on sait que c'est, on sait ce que c'est pas. On sait que ça n'est pas une crise d'épilepsie collective parce qu'il n'y a pas aux lèvres. On sait que ce n'est pas l'ergotisme. L'ergotisme, c'est la maladie du seigle. C'est une moisissure sur le seigle, et cette moisissure, c'est le LSD à l'état pur. Olivier Bourdeau, vous avez l'air de connaître, vous. Non, mais j'en avais entendu parler, oui, du seigle et des trans que ça pouvait créer. Voilà. Je crois qu'il y a eu beaucoup de cas de trans à l'époque, mais exactement. Là, ça n'est pas le cas. Non, ça ne peut pas être le cas parce que l'ergotisme empêche l'afflux sanguin dans les membres, on dit. Mais ça empêche de danser pendant des semaines entières. Et puis l'évêque disait, c'est une danse de Saint-Guy. Il faut qu'ils aillent en pèlerinage, etc. Et les médecins ont dit non, ce n'est pas une danse de Saint-Guy, ne serait-ce que parce que la danse de Saint-Guy n'est pas une danse. C'est des secousses nerveuses, etc. Ouais. Il faut vraiment imaginer une danse. Hein. Ouais, je disais tout à l'heure, une technoparade à la Renaissance. Vous dites, c'est une chenille géante sur les remparts de Strasbourg. Oui. Une rave party dans les rues de la ville. Et ça a été la première rave party au monde, la plus grande et la plus mortelle. Oui, parce que évidemment, ils dansent jusqu'à l'épuisement, voilà, les pieds en sang. Nuit et jour, les pieds en sang, cartilage à vue. Ils dansaient jusqu'à crever de crise cardiaque. Il y avait plus de 30 morts par jour et tout le monde était totalement désemparé. Je m'arrête un tout petit peu sur la manière dont vous le racontez. À quoi ressemble une ville prise comme ça dans une transe de danse ? C'est page 25, la description de Jean Tellet. Puisqu'on est avec nous, tiens, un acteur. Et quel acteur ? Jacques Weber, je résiste pas à ce plaisir. Est-ce que vous nous liriez ce petit paragraphe ? Okay, je vais essayer. En tout cas, j'ai du plaisir à le lire. Je ne sais pas si je veux bien le dire. La danse strasbourgeoise est comme une eau qui s'infiltre partout parmi les témoins. Ceux que les danseurs atteignent en perdent l'entendement et entrent tout aussitôt dans la ronde à leur propre étonnement. Face à la colère des curés, continuant de gueuler, nauséabond, ronde de péché, et des médecins estomaqués, d'autres, qui ont tort de s'approcher de cette rue, se voient pris de quelques mouvements irréguliers et de contorsions dans un bras puis une jambe. Peu à peu, leur mal empire et finalement aucun membre n'obéit plus à la volonté de ces contaminés qui se laissent aller, rejoignant le grand courant pour en augmenter le terrible cœur. L'autre connasse arrogante qui, tout à l'heure, dédaignait tout le monde, fait moins sa maligne dorénavant en tortillant ses miches comme une dingue et montrant son cul à tous. Ouais, ça, c'est... T'as les dérapages, c'est formidable. Le dérapage. Ouais. Est-ce qu'on peut parler... Alors, non, mais c'est ça. Vous ne pouvez pas le raconter. Vous pouvez pas nous le raconter normalement. Non, il faut que ce soit l'autre connasse et ce que Jacques Weber appelle le dérapage final, montrant son cul à tous. C'est ça que j'ai adoré, parce que ça me rappelle une chose qu'on nous conseille toujours lorsqu'on met en scène ou lorsqu'on joue, c'est de tenir compte de l'époque qui est racontée et de celle au moment où l'on écrit ou l'on joue. Et là, il y a des percussions comme ça qui sont formidables. Et moi, ça me fait penser, avec le style en plus que je trouve formidable et très comme ça, très, très
pétaradant, virevoltant, agile. C'est le film On achève bien les chevaux qui aussi consiste, se faisait à une période extrêmement épouvantable pour le monde et les gens. Et on avait reconstitué par un jeu, je crois, c'était Jane Fonda qui jouait ça, ouais. Des courses folles où les gens dansaient, dansaient, dansaient jusqu'à épuisement. Mais ils faisaient ça là, dans le film pour quelque chose, pour de l'argent, ceux qui dansaient le plus longtemps, tandis que là, c'était... Là, on ne sait pas. J'avais envie d'ajouter, c'est que Luther avait toutes les chances de réussir son coup, parce que vu comment vous décrivez les ecclésiastiques qui bouffent tout, moi, c'est extraordinaire, parce que c'est réel, ça. Ouais. Les gens ne le savent pas. Ils prenaient toutes les richesses, ils prenaient tous les comestibles, c'était pour eux, et puis après, ils faisaient... C'était des mercantiles avant l'heure. Vous avez raison. Dans tous les couvents de Strasbourg, alors que les gens crevaient de faim, ils étaient remplis de bouffe, les couvents. Et le clergé refusait de distribuer la nourriture pour spéculer. Et ce Guillaume d'Hohenstein, l'évêque de l'époque, c'était un vrai barjot quand même. C'était un mec qui, tous les matins, il fallait qu'il se lave le visage au lait de paroissienne. Truc à la con. Et dans la cathédrale de Strasbourg, il y avait une, parmi les reliques, une que je trouve formidable, ah oui, une goutte j'adore. De lait de la Vierge. Ouais. Alors déjà, moi, j'aimerais bien qu'on m'explique qui a pris la, oui, qui a pris la goutte de lait de la Vierge, comment il l'a mis quelque part et comment... Un millénaire et demi après, eh ben le lait, il continue à couler. Quoi. On prenait vraiment les gens pour des cons, quand même. Ouais. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas bouffé du curé dans un roman, depuis le dernier. Oui, mais là, ils m'ont aidé à Strasbourg. Ouais, ouais. Et on comprend, effectivement, le protestantisme... Ça passe toujours pas. Hein. C'est le fruit du catholicisme. Ah, quoi, un mot, quand même, parce que j'aimerais revenir au style, à cette question. Jacques Weber dit « dérapage ». On vous entend parler et on vous écoute écrire. Et c'est ça qui est effectivement très drôle, assez amusant. Vous tamponnez les époques, vous écrivez. On a l'impression que c'est Michel Audiard, Reiser, et puis bah, vous, Teulet, égaré au Moyen-Âge. Vous ne pouvez pas faire dans le stylistiquement correct, vous. Ben, ça ne me vient pas. Ça ne me vient pas. Et moi, quand en même temps, vous n'avez jamais vraiment essayé. Non, c'est vrai. Mais j'aime bien écrire comme je raconterais l'histoire à mes copains. Quoi. Et effectivement, faire, comme disait Jacques, un mélange de les gens, les faire parler comme à l'époque, mais aussi mettre des expressions modernes et tout, parce que ce n'est pas aux gens du XVIe siècle que je m'adresse, ils sont tous morts. C'est des gens de maintenant, donc je leur parle leur langue. Olivier Bourdeau, vous aimez bien, vous aussi, ces glissements. Vous allez un peu moins loin, vous n'êtes pas dans le parc de canailles. Oui, stablement moins loin. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on écoute l'exposé qui vient d'intervenir, là, on n'est pas mécontent d'avoir seulement des problèmes de croissance, parce que les gens, à cette époque-là, étaient accablés. Enfin, c'est terrible. Ouais. On est plutôt gâtés, finalement. J'aimerais savoir, on imagine donc une ville qui danse, 10, 15, 20 personnes, on peut comprendre. Là, vous allez jusqu'à 2000 personnes. Ouais. Ils dansent comment ? Ils dansent dans une ville de 16 000 habitants. Il n'y a pas de musique non plus. C'est pas Au début, il n'y avait pas de musique. Mais à un moment, le maire, il s'est dit... les médecins ont expliqué au maire en disant « En fait, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est une fièvre. » Une fièvre, ouais. Il ne faut pas qu'on empêche les danseurs de danser. Au contraire, il faut les forcer. Et ils ont fait construire derrière la cathédrale, à la place du marché aux chevaux, un énorme dance-floor et faire venir tous les musiciens réquisitionnés de la ville qui devaient jouer de la musique nuit et jour. C'est quoi Richard Larnac, puisque vous êtes au piano, une sarabande Renaissance, ça donnerait quoi ? Quelque chose comme ça ? Là, on a le tambour. Ouais. Et alors, ils font comment, Jean ? Comme ça. Ouais. Vous suggérez quand même que c'est aussi la misère qui est le déclenchement de cet état. Est-ce qu'on peut dire que derrière le côté totalement farfelu et fantaisiste, ce qui vous intéresse, c'est aussi de voir comment l'histoire officielle a gommé la détresse, le désarroi, désarroi qui pousse à manger ses enfants, pousse à les jeter dans une rivière, ou alors ils allaient derrière autour des hôpitaux où on balançait la merde des pestiférés par les fenêtres et tout. Les gens en étaient allés ramasser, à bouffer ça. Il y avait plus un chat, plus un chien à Strasbourg. Il y avait plus un rat, plus une souris. Tout avait été bouffé. Et quand on en est à balancer son môme à la rivière ou à le bouffer, au bout d'un moment, il ne reste plus quoi ? Il ne reste plus qu'à danser. On sait qu'il y a une femme qui, juste avant de danser, a dit une phrase terrible. Elle a dit « On n'a plus rien, allez, on danse. C'est notre corps, il nous appartient, on n'a plus que ça. » Et alors, c'est
on danse à mort. Et puis on se révolte contre rien, on danse comme des cons, on va en crever, mais de toute façon, on est tellement foutus. Quoi. Qu'est-ce que vous attendez quand on lit le livre? On est partagé entre éclats de rire et on n'ose pas se dire, mais en réalité, c'est bien pire que ça, et on c'est préfère rire comme d'autres les, préfèrent danser. Deux. Mais là, moi, j'avais entendu il y a quelque temps qu'à Alep, un reportage d'une journaliste qui racontait qu'à un moment, elle était arrivée dans une maison qui était à moitié écroulée, et il y avait des enfants morts parmi les gravats et une femme toute seule qui dansait et qu'ils ont essayé de la sortir et qu'elle voulait pas. Elle dansait. Et il y a tellement d'endroits dans le monde en ce moment où les gens sont dans des états de désespoir total. Ce qui fait que moi, très souvent, je dis que quand j'écris un roman historique, je fais semblant d'écrire un roman historique. Mais en fait, je parle d'aujourd'hui, quoi. Entrer dans la danse sort aujourd'hui aux éditions Julliard. Allez-y, c'est formidable, c'est drôle, c'est terrifiant et ça parle pas seulement de Strasbourg en 1518, évidemment.